Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique pour vous accompagner, votre duo de commentateurs franco-argentins. Au programme donc un match de groupe comptant pour l'UEFA Ligue des Champions, Fenerbahçe contre Leipzig. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Côté Fenerbahçe, voilà le 11 qui débute. 4-4-2 avec l'idée d'une certaine versatilité au milieu des terrains. Il va falloir trouver une harmonie entre le travail défensif et l'ambition offensive. Voici la compo de Leipzig. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat. Ça permet une bonne domination de l'espace. C'est le premier ballon dans ce match. Saveur. Très bonne progression, balle au pied. Ça part bien. Attention, il y a danger. Et la défense récupère, elle va pouvoir relancer sans problème. La grosse déception dans ce classement, c'est la place de l'équipe visiteuse. Personne ne s'y attend. C'est... Attention à cette occasion, regardez. Ah, pressing réussi, pressing payant, bien plongé de la part du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Pas vraiment de danger là sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Forsberg, excellente parade avec ce plongeon. Petite combinaison. Soboslai avec le ballon. Oui, bon pressing, bonne récupération. On va s'arrêter quelques secondes sur Christopher Nkunku parce qu'il est vraiment en grande forme en ce moment. Tu lui donnes le ballon. Regardez, regardez. Et ça rentre. Voilà le premier but. Très rapidement, ce match est lancé. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Soboslai.
Un ballon gagné sur ce bon duel. André Silva reçoit le ballon. Et il remporte son duel, bien défendu. Soboslai avec le ballon. Attention à cette passe. L'attaque bute sur une défense bien en place. Le ballon sort, c'est une touche. Sur l'aile, Nkunku, il a de la liberté. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. À la réception, Nkunku. Oui, la belle incursion là. Campbell avec le ballon. Ah, la bonne frappe. Et bien tenté, bien essayé, mais c'est une frappe pour le gardien. Saveur. Trajectoire bien coupée en pleine surface. Ah, la frappe pour l'égalisation peut-être. Oh là là, et cette frappe est complètement dévissée. Elle passe très très loin des poteaux. Loin des poteaux de but, ça c'est clair. En revanche, pour les poteaux de corner, pour le coup, on y est. Oh, il s'est bien servi. Et oui, c'est le but. Voilà un but pour relancer ce match. Une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Ah, le duel est remporté, le ballon change donc de camp. Ballon pour Nkunku. Ah, il peut frapper là, Nkunku. Oh, la bonne parade. Pourquoi pas? Ça joue court. Ça sort en touche. Attention, l'enthousiasme, les occasions nombreuses, on ne doit pas. Et le tir, attention! La parade, mais le danger est toujours présent. Et ce ballon est dégagé, et heureusement, parce qu'il y avait le feu. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Il la perd de balle, ça peut s'avérer très dangereux. Ça part très bien. Oh, l'arrêt, mais c'est pas fini, attention. Et ça finit par rentrer, malgré la belle parade. Son sens du but, son flair ne pardonne pas. Sur ce but, on voit bien comment, dans un premier temps, le ballon est renvoyé après un magnifique arrêt. Et c'est à ce moment-là que le ballon retombe sur un adversaire. Et à cette distance, ça ne pardonne pas. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Forsberg qui reçoit la balle. Et finalement, l'arbitre revient à la faute et donne le coup franc. Il y a du monde, évidemment, dans la surface sur ce coup franc. Attention. Le contre est possible. Et peut-être l'occasion de marquer. Quelle intervention absolument décisive.
Un bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Oui, c'est centré fort et rasant. Allez, ce ballon est subtilisé in extremis. Ça y est, la première période arrive à son terme, direction les vestiaires. Et pour l'instant, sur le front de l'attaque, c'est timide. C'est une prestation plutôt décevante de sa part. Toute son équipe compte sur ses performances devant le but. Mais si tu n'arrives pas à t'approcher de la surface, c'est beaucoup plus difficile d'aider ton équipe. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps et Leipzig qui est toujours mené au score d'un but. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et la place pour tenter sa chance. Goal, 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 goal. Et il est important ce but. Il leur permet de faire le break. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Allez, donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Oui, le tir. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Le corner. Ah, le ballon est dévié, il sort, c'est donc un corner. Revoyons ce corner, c'est très bien tiré parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. Et pour finir, la conclusion de la tête, du début à la fin, c'est une action magnifique. Quatre buts à un, donc. L'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Et c'est donné en profondeur. Et cette frappasse qui fait trembler l'adversaire. Batshuayi. Oh oui, la frappe. Allez, le gardien se couche bien sur ce ballon. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Olé, belle technique là. Le centre ne donne rien, intercepté sans problème. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Le ballon en touche. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Timo Werner avec le ballon, facile pour le gardien. Et on passe par le côté. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct.
Et l'arbitre indique les 6 mètres. Ah, ce carton correspond à une faute commise au début de l'action. C'est bien arbitré. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Un peu de champ pour tenter une frappe. Très bonne frappe, malheureusement, un petit peu trop enlevée. Au second poteau, voilà le centre. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Impeccable cette intervention. À la réception, Nkunku. André Silva dans la surface. Bonne intervention du gardien. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Un corner qui est bien ajusté. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Werner. Et ça a l'air bien dosé ça. Trop précis et ballon récupéré très haut. Timo Werner vers le cœur du jeu. Ah, sobre mais efficace, super intervention. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Et le but, encore et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Volé ! Et voilà donc un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire, le match est quasiment plié. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et Leipzig qui a de la liberté sur l'aile. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Voilà, le ballon est récupéré. L'action se poursuit. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et c'est donc une touche. Xaver. Et voilà, tout le monde rentre au vestiaire. C'est la fin du match sifflé par l'arbitre.